Avec David chaque jour dans un peuple en marche, ces mots autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une fête dans le cœur de l'homme. Que tes simples gestes parlent du royaume, soit comme une fête. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, ces mots autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une lampe sur un lampadaire, et que ton exemple éclaire tes frères. Sois comme une lampe. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, ces mots autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce lundi, le 28 mars. Nous sommes dans l'église Saint-Hippolyte de Wotton. C'est une autre église dont je suis le curé, et il me fait plaisir aujourd'hui de célébrer avec vous cette célébration qui nous invite, oui, à la joie, mais qui nous invite aussi à reconnaître Dieu sur nos chemins. Prenons un instant. Prenons cet instant pour rendre grâce à Dieu pour cette vie qu'il nous donne et demandons-lui son pardon et sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu renouvelles ce monde par la force inexprimable de tes sacrements. Fais que ton Église progresse par ses moyens de salut et ne manque jamais de tes secours ici-bas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé et ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée, car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera. On plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Parole du Seigneur.
Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des hommes. Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse. Nous avons vu briller sur l'univers l'aube d'une paix nouvelle. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu danser les malheureux comme au jour de la fête. Nous avons vu renaître au fond des yeux l'espérance déjà morte. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Cherchez le bien et non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur sera avec vous. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné d'un prophète qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée, en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « C'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui aussi,
ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Parole du Seigneur. Les signes qu'on attend de Dieu, ils sont extraordinaires. On attend des signes de Dieu qui pourraient transpercer le ciel. Et Jésus se pose la question. Est-ce que vous croirez seulement si vous voyez des signes? Et même après avoir dit cela, voilà que ce Père demande à Jésus, « Viens chez moi quand même. » Il a entendu Jésus qui demande, « Attendez-vous des signes? » Et voilà que les oreilles ne sont pas ouvertes. Il n'y a que la préoccupation de ce Père qui compte. Jésus est son seul espoir. Jésus est la seule manière qu'il pourra être certain que son Fils pourra vivre. Même si Jésus lui dit qu'il n'est pas nécessaire que lui vienne jusqu'à la maison, voilà que ce Père insiste. Des signes, nous en avons. Nous n'avons pas la faculté de pouvoir les voir. Et quand j'étais plus jeune, dans les 16-17 ans, je voyais des gens qui faisaient partie des charismatiques et qui étaient engagés dans leur foi, me raconter tous les signes qu'ils voyaient de la présence de Dieu, tous ces hasards qui se faisaient trop fréquents ou trop au bon temps, au bon moment. Voyez-vous, ces signes du quotidien sont déjà des signes de Dieu. N'attendez pas que Dieu vous foudroie sur place pour vous montrer qu'il existe, mais à travers des petits gestes, à travers des rencontres, à travers ces hasards qui se font trop bien, Dieu se rend visible. Cela prend du temps pour découvrir dans ses faits, dans ses gestes, la présence de Dieu. Mais le cœur ouvert, nous pouvons les accueillir. Nous pouvons entrer dans la fête de Dieu. Nous pouvons entrer dans sa joie. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous demande de lui faire confiance. Même si nous ne voyons pas rapidement les signes de sa présence, il nous invite à lui faire confiance. Il sera là pour nous. À travers ces offrandes, Seigneur, nous voulons remettre nos vies, nous voulons remettre nos incrédulités, nos impatiences. Accueille-les, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. «
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Fais-nous recueillir, Seigneur, les fruits de l'offrande qui t'est consacrée, afin que, purifiés de la dégradation liée à notre condition terrestre, nous soyons renouvelés par nos progrès dans la vie spirituelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous te prions pour Monsieur et Madame Eugène Bérard et pour Marie-Louise Thiboutotte.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et dans la confiance, nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, nous puissions tous être unis et t'accueillir en nos vies. Que tes sacrements, nous t'en prions, Seigneur, nous renouvellent et nous fassent revivre, qu'ils nous sanctifient et nous conduisent ainsi aux biens éternels. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Donne à ton peuple, Seigneur, d'être renouvelé à l'intérieur et à l'extérieur. Et puisque tu ne veux pas qu'il se laisse arrêter par les plaisirs du corps, fais-lui trouver sa force dans le chemin spirituel que tu lui proposes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs. Vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on ne s'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme.